Qui êtes-vous? Je suis quelqu'un qui peut vous faire sortir du mitard une heure de plus par semaine. Pour aller dans la cour? Bien sûr. Mais toujours seul. Ça se refuse pas, une offre comme celle-là. Vous voulez savoir quoi? Qui a mis un contrat sur Karl Braun? Qui vous a dit que quelqu'un voudrait se débarrasser de ce gros porc? Le fait que vous ayez pu passer toute la nuit à aiguiser votre brosse à dents pour le planter. Du temps, j'en ai plein au mitard. Faut bien que je m'occupe. Qui veut sa peau? Le bruit a couru que si l'un de nous s'en occupait, 50 000 dollars iraient à sa famille. Aucune idée de qui payer. Donc vous alliez liquider Karl Braun en croisant les doigts pour que la rumeur soit vraie et que votre famille reçoive l'argent? Vous êtes un inconnu. Et je vous ai cru quand vous m'avez offert 2 heures de plus par semaine dans la cour. C'était du bluff? Non. Et c'était 1 heure de plus. Une. On peut toujours essayer. Je vais vous dire, 50 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais pour ceux qui sont ici, des types qui ont carrément déconné avec leur famille, ce fric, c'est une chance de rédemption. Peut-être même de pardon. Alors si je le fais pas, un autre type le fera. Et Karl Braun ne finira pas la semaine. Mais ce serait pas Karl le lèche-botte par hasard? T'as fait de la lèche aux fédéraux ces derniers temps? Je peux pas monter avec ce type. Il a essayé de me tuer. Oh. Eh ben, vous pourrez vous rabibocher. Non, tout au fond. Détends-toi, Karl. C'est ton jour de chance. Pourquoi vous dites ça? J'ai une surprise pour toi. C'est quoi? Sois patient. Il se passe quoi, là? On te fait évader, Karl. Pourquoi? Parce que mort, tu vaux 50 000 dollars. Mais en vie, t'en vaut 2 fois plus. C'est quoi ce truc? La fin du voyage, Karl. À l'intérieur. Il n'est pas question que j'entre là-dedans. Entrez dans cette foutue cage, Karl. Monsieur Garvey, qu'en est-il de notre accord? L'info est déjà dans la rue. Dans moins d'une heure, tous les chasseurs de primes du pays sauront qu'il est ici. Parfait. Vous pouvez l'emmener déjeuner, messieurs, avant de le ramener sain et sauf à la prison. Vous aviez dit que je pourrais voir la mer. T'as entendu ça? Non, j'ai rien entendu. Approche. La bonne nouvelle, c'est qu'on a identifié votre intrus. C'est un multirécidiviste de la violation de domicile. Attendez, donc ça n'a rien à voir avec mon travail? On doit vérifier qu'il n'y a pas eu de faille dans la sécurité, mais ça pourrait n'être qu'un simple cambriolage. Heureusement qu'il y avait le type de la maintenance. Je comprends pas pourquoi il fait ce boulot, il devrait plutôt faire du combat libre. Vous êtes devenu pote? John m'a aidé à emménager il y a 8 ans. On se parle quand on se croise. Je croyais le connaître. Vous nous accordez une seconde? Oui.